Présentation. Action. Action. Coucou Claudie. T'as peur. Bonjour Rosalie. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, donc, on voulait vous montrer quelque chose de rigolo. Parce que moi, j'adore les sushis, les makis, j'adore ça. Et là, on a eu l'idée de les faire en bonbons. Donc on a eu l'idée de les faire en forme de bonbons, de faire des sushis et des makis en bonbons, comme ceci. Ouh. Voilà, comme ça. T'as vu, ils sont beaux. Oui. On va vous montrer comment on a fait ces sushis makis en forme de bonbons. Pour faire des sushis bonbons. Des sushis bonbons, il nous faut 6 marshmallows. 6 marshmallows, effectivement. Des longs fizz. Des longs fizz. De couleur rose, rouge. Enfin, moi je trouve ça plus rose, mais bon, ça peut rouge. Deux bandes. Pardon. Des petites confiseries. Je me souviens plus de son nom, si vous vous rappelez. Vous. Moi, je m'en souviens plus. D'autres longs fils. Des longs fils couleur marron, il en faut 3 bandes. Ah bon. Du miel. Du miel. Un pionnant, un pinceau, des ciseaux. Des baguettes asiatiques. Et un plateau. Et un petit plateau. Voilà, voilà. Vous prenez un marshmallow. Donc vous prenez un marshmallow. Vous allez prendre aussi un cure-dent. Donc le cure-dent. Vous allez faire un trou. Vous faites un trou au milieu du marshmallow. Vous touillez pour faire un plus gros trou. Voilà. Des petites confiseries, je ne me rappelle plus du nom. Vous le mettez dans le trou. Et là j'ai une image, je ne vous dis pas. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Donc voilà ce que ça fait. Vous voyez. Mais si, vous voyez. Voilà. Ensuite. Ça, on dirait que le marshmallow blanc, c'est le riz. La petite confiserie fait comme le saumon, en fait. Hein? Voilà, et donc après, on enroule. Et bah, ce qui concerne... Ah! Et après, on enroule la petite bande marron pour faire un genre d'algue, comme les makis. Parce que les makis, ils ont une algue entourée, qui entoure le riz. Et ben nous, pour le bonbon, on a besoin du long fils marron. Ben là, tu demandes à la grande. Et là, vous allez prendre le pinceau. Donc là, vous prenez le pinceau. Et vous allez le tremper. En fait, le long fils, vous allez entourer en marshmallow. Le miel va faire que ça colle pour pas que ça... Comme de la vraie colle, hein. On peut badigeonner ce coup-là. Le premier, et là on va avoir besoin. On va avoir besoin du plateau. On va voilà. Et le premier petit maquis. Là, on va faire les autres maquis. Là, ça fait concombre.
Ouais, j'adore les sushis. Comme d'habitude, c'est qui correspond au riz en fait, hein, les marshmallows blancs, c'est ça qui est bien. Et pas les marshmallows roses. Bah ça ferait moyen, j'ai jamais vu du riz rose alors. Ouais, vous allez prendre une petite boule. Ça va atterrir sur moi, je vous dis. J'ai peur. Bon, grosso modo, hein, vous le mettez sur le marshmallow, vous voyez à peu près la largeur que vous avez besoin et vous coupez. Coupe, coupe. Voilà. Et une petite bordelle. Voilà, on va en mettre deux petites bandes sur le même marshmallow. C'est pas grave. Donc, vous mettez deux bandes de long fils rose pour faire un tout petit peu d'épaisseur de sushi. Hein, parce que normalement, c'est une bonne tranche de saumon qui est dessus. Donc, ensuite, voilà. On va mettre ça sur le marshmallow. Le petit carré qu'on a découpé. Oui, on va mettre. Donc, on met du miel sur le marshmallow pour que la première bande colle. Ah, tienne. Voilà, une deuxième par-dessus. Et pareil, on met du miel. Ils sont prêts. Nos sushis maki. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura si vous avez aimé. Voilà, petit pouce en l'air. Hein, abonnez-vous aussi si ça vous a plu, c'est gratuit. Voilà, et on vous dit à une prochaine vidéo. Au revoir. J'adore les voix. Elle est folle. Et oh, je suis là. Maman t'a peur. Ça va, maman? Non, ça va pas. Tu nous montres les dents pourquoi? Pour les caries, faites attention aux caries. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Et non, ouais, voilà. Allez. Ah. 6 pour exacta.